L'après ça va? On continue. On finit. Faut comme on est fatigué, on achève une fois, non? Amen. Demain, on se voit à quelle heure? 10h, c'est ça? Ok. Donc vous avez l'avant-goût de comment on est. Quoique c'est le frère assez connaît toutes ces choses-là. Un temps, on travaillait des 7h du soir, 19h jusqu'à 1h, 2h jusqu'à souvent 7h. Il fuit. Donc souvenez-vous, quand la Bible, quand vous touchez de la Bible, je peux partir pendant une semaine, ça ne me dérange pas du tout. Alors on continue. Des questions? Oui mon frère. J'ai ma question, je ne sais pas si le moment est arrivé pour que... On répond à cela. Oui. Oui. En fait, j'ai suivi dans les enseignements, vous parlez du Cameroun. Oui. À plusieurs, dans plusieurs enseignements, la relation de Dieu avec le Cameroun. Mais dans un autre enseignement, je suis comment vous dites que le Cameroun et que Dieu a prêché à parler du Cameroun dans la Bible. Oui. Et que... Il fallait chercher. J'ai cherché. Je n'ai pas trouvé. Ouais. En fait, je n'ai pas eu la lumière. En tout cas, non, en fait, tu as dit que je n'ai pas trouvé. C'est ça que je veux dire. J'ai même demandé au frère. Le frère m'a dit que mon frère. Faut chercher. Cherche. Mais j'ai écrit à la soeur. C'est de dire ce que ton mari t'a dit. Non. Pas ça. Donc, pour que je sois un peu tranquille. Donc, si tu montes le Cameroun, maintenant tu es tranquille. Ça va m'aider. À faire quoi, frère? Tu n'as pas quitté le pays? Non, pas quitter le pays. Il y a beaucoup de choses. C'est tellement maintenant que tu vas seulement brûler le Cameroun. Tu vas faire comment? Brûler. Si on voit le passage, c'est que c'est prévu que Dieu brûle le Cameroun. Tu fais comment? J'y suis déjà, je ne peux rien. Donc tu ne peux rien, tu ne peux pas fuir? Je ne peux pas fuir. Ok. Maintenant, je vais t'aider. Et je vais t'aider de la bonne façon. La Bible parle oui ou non de la télévision. De façon claire. Pas encore. La Bible parle de la télévision. La Bible parle de la télévision. La Bible parle de séries télévisées. Un monde la télé comme ça en descendant, elle fait comme ça. Elle monte comme ça, oui, en descendant. Que oui et non. Frère, la Bible parle de la télévision. Où ça? La Bible, je crois que même quand Dieu venait parler à Adam et Ève, quand je parle de la télévision, je prends l'exemple aussi du téléphone qui vient aujourd'hui. Je ne sais pas si ils ne se voyaient pas en face. C'était en quelque sorte comme le téléphone. Donc quand tu vois, quand tu vois, on parle sur le téléphone quoi? Ils ne se voyaient pas comme nous on se voit là en direct. Qui a dit ça? Qui a dit qu'ils ne se voyaient pas là? La question donc ce qui est posée, c'est est-ce qu'il y a la télévision dans les Saintes Écritures? Non. Non. Il a dit non. Qui a dit oui ici? C'est bon. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a deux réponses contradictoires, pas vrai? Donc, il y a lui dit il y a la télévision dans la Bible. Lui dit non. Donc il dit que soit il y a, soit il n'y a pas. Il a dit oui. Il soutient le parti de Maurice Kamto là-bas. Oui. Qui soutient celui-ci? Il y a des gens qui sont neutres, qui ne savent pas, ils ne sont ni de l'opposition, ni du pouvoir. Hein, confrère? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc ça veut dire que tu vas prendre connaissance. Oui. Désormais, si celui-ci demande et qu'il y a effectivement, désormais tu vas prendre connaissance qu'il y a la télévision de la Bible et voici là où ça se trouve. Et là, maintenant, ça va donner instruction. Pose la question à qui des doigts donc. Pose la question. À qui des doigts? Bon. Moi. Oui, après. Tu m'as posé la question sur le Cameroun. Remarquez bien la façon. Je veux que vous voyez la façon dont je vous réponds aux questions ici. Il m'a posé la question sur le Cameroun. Où est-ce que le Cameroun se trouve dans la Bible? Je prends un exemple de la télévision. Après la télévision, je vais prendre un autre objet encore pour vous montrer. Où est-ce que je suis en train de vous conduire? C'est que Dieu dit des choses en son langage. Parce que vous essayez de taper la télévision dans la Bible pour regarder où est la télévision, vous ne verrez pas, mais ça parle de cela. D'accord? Allons-y. Bon, je peux parler un seul verset. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, Dieu dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean chapitre 2.
assis à la maison tel que nous sommes ici, à travers la télévision, nous avons de là tout le monde entier à la maison. Mmh. Donc pour moi, ça c'est un exemple du verset qui montre que la Bible parle de la télévision sans qu'on ait voyagé. Est-ce que ceci te convainc beaucoup? Parce que même si quelqu'un n'a pas la télévision, tu lui peux toujours aimer le monde, non? C'est pas ça, frère. Puisque quelqu'un qui a embrouillé n'a jamais vu la télévision, lui aussi aime le monde. Les pygmées qui ont embrouillé, ils ne se connaissent pas ce que vous appelez télévision. Mais pourtant, ils aiment aussi le monde. Deuxième verset. Donc, il a dit que le verset ne me convainc pas trop. Donc, cherchez encore. Matthieu chapitre 24. Oui. Lorsque vous verrez l'abomination établie en Lucien, dont a parlé le prophète Daniel. Oui. Nous ne serons pas en Israël. Oui. Et si nous sommes vivants, la seule façon qu'on va le voir, ce sera à travers la télévision. Là, ça commence à venir. Ça sera qu'à travers la télévision. Oui. Si ça commence à venir. Donc, celui qui a la télé chez lui, ça c'est un verset qui montre que celui qui ne sera pas en Israël et qui aura la télé, celui qui s'il est vivant en ce moment-là, ce n'est qu'à travers la télévision qui peut le voir. Voilà. Donc, voici un verset qui symbolise ça parle de la télévision sans toutefois nommer la télévision. Ouvrez maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Ouvrez Apocalypse chapitre 11. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Amen. Apocalypse chapitre 11. C'est comment ton téléphone, tu es fatigué? Sa Bible est finie. Tu es blanc. Le moteur est arrêté. Vous êtes dans chapitre 11 d'Apocalypse. Écoutez très attentivement. Verset 1 et suivant. Lorsqu'il dit stop. On me donna un roseau semblable à une verge en disant: lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le pavé extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront au pied la vie sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de ça pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme... Et commencez à faire attention à partir d'ici. Oui, quand ils auront achevé leur ministère, oui. La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Oui. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Oui. Des hommes, d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Stop. Vous avez essayé de comprendre le fait de ce scénario. Deux personnes qui dérangent la terre dans la position de Jérusalem. Ils sont là-bas. Ils finissent à un moment donné, on les tue. Leurs cadavres sont provoqués. Et on dit, ces enfants-là, et on dit que leur cadavre sera resté exposé pendant combien de jours? 3 jours et demi. Quels sont les gens qui vont voir? Des peuples, des tribus, des langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Comment ils vont voir tout ça? La télévision. Vous voyez, n'est-ce pas? Continue, c'est pas fini. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Stop. Les habitants de la terre. Pas les habitants de Jérusalem. De la terre. Pourquoi ils seront dans l'allégresse? Et ils s'enverront des présents les uns des autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Vous avez vu les SMS? Gars, on l'a eu. Vous avez vu ça? WhatsApp. Oui, on a eu les gars. Vous avez vu? Donc WhatsApp, Twitter, Instagram sont parlés là-dedans. Tu as vu ça, frère? Donc désormais, tu peux montrer à quelqu'un que la télévision se trouve dans la Bible, non? Oui. Voilà. C'est bon? Amen. Voilà. Maintenant, je vous pose la question. La Bible parle de l'avion, oui ou non? La Bible parle de l'avion, oui ou non? Où ça? Qui dit oui?
Et qui dit non, et qui est neutre. À le côté des gens qui sont neutres là-bas. Oui, je ne connais pas. Quand tu ne connais pas, tu es neutre. C'est neutre. Parce que ce n'est ni oui ni non. Vous avez vu parler de l'avion dans les Saintes Écritures. Je ne sais pas si, en tout cas, quand vous allez écouter les enseignements, vous allez comprendre certaines choses. Je ne sais pas comment, si vous savez comment les visions viennent. Quand un prophète voit les visions, je ne sais pas si vous savez comment il voit les visions. À la fin de cet état de fatigue, c'est que vous êtes maintenant, il ne peut pas vous donner certaines, dire certaines choses concernant cela. Mais la Bible parle de l'avion, n'est-ce pas? Après ce dernier cas de l'avion, on va maintenant lire quelque chose que Jésus a dit. Et je vais vous poser des questions et puis ça va sortir avec le Cameroun. D'accord? Vous connaissez la destinée du peuple juif, c'est que les Saintes Écritures disent du peuple juif. Si vous notez le livre de Jérémie, chapitre 30, 31 et 32, et puis vous rentrez le livre, vous allez comprendre, tout ça est défilé là-bas, d'accord? Amen. Voilà. Si vous notez Jérémie, chapitre 30, 31 et 32, la destinée est écrite là-bas. Et puis vous joignez, juxtaposé avec Romains 9 jusqu'au Romains 11. D'accord, mes frères? Ok. Maintenant, le peuple juif se trouve dispersé à l'issue de la crucifixion du Seigneur Jésus. Jésus leur avait dit qu'il ne restera pas ici pied sur pied quand ils ont vu le temple au matin, Matthieu chapitre 24. Qu'il ne restera pas ici pied sur pied, qu'il ne sera détruit. Et en l'an 70, Titus, justement, ça a été détruit. Titus est venu à Jérusalem, a pris, si vous regardez les antiquités juives de Jules, de Flavius, Joseph, vous allez voir effectivement comment il décrit cette guerre-là. Durant ce moment, on a détruit le temple de Jérusalem, que les apôtres regardaient et appréciaient. Pendant qu'ils passaient la route, ils ont vu la construction, ils ont dit, Seigneur, tu vois-tu les pierres qu'on vient de construire? Ils vois-tu ici ces pierres-ci, il ne restera pas ici, pierre, ces pierres qui seront détruites. Ça, c'est Jésus qui a dit, en l'an 70 de notre ère, c'est là où ça s'est accompli. Quand ça s'est accompli, donc, avec les empires ottomans, les musulmans, les différents guerres que les Juifs vont avoir, ils vont avoir on va conquérir leur territoire. Les Juifs vont aller en dispersion, c'est-à-dire en captivité dans les nations. Ils vont prendre des directions différentes. Mais c'est prévu dans les Saintes Écritures que les Juifs vont retourner dans leur pays. Et en mai 48 particulièrement, les Juifs ont été appelés par un certain mouvement à retourner chez le peuple juif. Vous pouvez voir, puisque c'est dans notre époque, vous pouvez voir la télévision, vous tapez sur Internet, vous tapez la Fondation des Nations d'Israël. Mais Dieu pose la question dans la Bible. Une nation naît-elle en un seul jour? Vous avez vu ça dans les Saintes Écritures? Oui. Avant d'avoir éprouvé les douleurs de l'enfantement, Jacob a enfanté. La nation, la seule qui a été conçue en un seul jour, la nation d'Israël. C'est écrit dans les Saintes Écritures, dans le livre du prophète Isaïe, dans le livre de Jérémie. Parlant de ça, 700 ans avant que Jésus ne vienne, que la nation d'Israël sera fondée en un seul jour. Et c'est ce qui est arrivé en mai 1948. Vous savez moi? Amen. Et je dis en donnant les références parce que vous pouvez faire des recherches et les retrouver. Maintenant, Israël, la nation d'Israël est fondée en 1948. En mai 1948. Quand c'est fondé maintenant, il faut que les Juifs retournent à la Palestine. Comment ils sont montés? Les uns sont partis en bateau. Les autres sont partis avec l'avion. Et l'avion était blanc. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Il parle ici, vous n'avez jamais vu ça. Non. Oui, pourquoi il dit qu'il ne faut pas que mieux il ne bavade pas, non? Et Isaïe, chapitre 60, alors. Ouvrez. Donc, c'est mieux qu'il parle avec les Écritures. Et Isaïe, le chapitre 60. Livre du prophète Isaïe. Isaïe le chapitre 60. Préparez Luc chapitre 24 parce qu'on va y arriver. Isaïe chapitre 60. Vous serez surpris maintenant. Vous êtes dans Isaïe chapitre 60. Gardez-vous à l'esprit que c'est les prophètes que nous sommes des lits. Quand tout à l'heure dans une des parties, nous avons vu comment les Juifs demandaient au Seigneur Jésus que si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Et vous devez vous poser la question. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, la Bible déclare quand l'apôtre avait été amené à Rome en captivité, il a loué dans son logis là-bas. Durant 2 ans, il accueillait des gens qui venaient lui poser la question. Et la Bible déclare qu'il montrait en établissant par la loi de Moïse que Jésus était le Christ. Ça veut dire qu'il ne consistait pas à lui, par lui, d'aller dans les Saintes Écritures et dire que voici là on écrit Jésus-Christ. C'est pas ça dont il est question. Il devait montrer les faits.
et montrer que cette fête-là colle à Jésus le Christ, celui dont il est venu à Nazareth, n'est-ce pas? Amen. Voilà, parce que ce n'était pas écrit nulle part dans les Écrits, enseigne que c'est voilà Jésus-Christ. Mm-hmm. Ce n'est pas écrit que Jésus-Christ c'est comme ça. On parle de la Russie là-dedans, dans les Écrits, pas vrai? Amen. On parle de la Chine, pas vrai, frère? Hein? Mm-hmm. On parle des États-Unis, n'est-ce pas? Mm-hmm. Depuis que tu fais, là, tu as vu les États-Unis là-bas. On parle de la ville de New York, là, dans les États-Unis, n'est-ce pas, frère? Mm-hmm. On parle de Californie, n'est-ce pas, frère? Pas vrai. Là, non, inusité. Ne doute pas. Là, ok. Maintenant, je pose la question. Ici se trouve donc dans ces Ésaïe chapitre 60 que vous allez suivre l'une des révélations de ce que je vous dit ici depuis. Verset 1. Allons-y. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Stop. C'est à qui on dit ça? À Jérusalem. C'est, en tout cas, les pasteurs sont forts pour les fins d'année, festivités fin d'année, nuit des crossover. Mm. On fait le thème sera lève-toi et sois éclairé, car ta lumière pointe. Que c'est la saison de ça, lève-toi. Femme, vous m'écoutez maintenant, lève-toi. Si vous donnez de vos offrandes, ce qui vous coûte cher, vous allez voir, la lumière va venir. N'est-ce pas? Parlez. Maintenant, suivant à qui on le dit. Voici les ténèbres couvrent la terre. Oui. Et l'obscurité, les peuples. Oui. Mais sur toi, l'éternel se lève. Vous entendez ça? Donc, comme vous comprenez ça, vous voyez que Israël, on a de le dire, au fur et à mesure qu'on a d'avancer vers la fin, c'est les ténèbres partout. Mais pendant ces moments, c'est que les ténèbres seront partout sur la terre. Pour une personne particulièrement bien, parce qu'on a dit sur toute la terre. On ne parle pas à un individu ici, mais c'est à un état, à un peuple. Mais sur toi, la lumière s'élève. Donc, c'est le moment de la rédemption d'Israël. Donc, pendant que l'autre personne sera en train d'expérimenter l'obscurité, chez eux, ce sera la lumière. De la même façon comme maintenant. C'est pour ça que je vous ai donné Jérémie chapitre 30, 31 et 32, et puis Romains chapitre 8 à 11. De la même façon comme maintenant, ils sont dans l'obscurité et nous sommes dans la lumière par l'évangile de Christ. De la même façon, l'évangile va se tourner vers eux, l'obscurité va se retrouver dans le côté des nations. Continue, frère. Sur toi, sa gloire apparaît. Oui. Des nations marchent à ta lumière. Des nations. Donc, il ne s'agit pas d'un individu, d'un homme ici à qui ça rend de dire lève-toi et brille, comme les pasteurs font là. Il dit des nations marchent à ta lumière. Ça veut dire que le peuple juif, les gens, toute l'attention de la terre sera focalisée sur la nation d'Israël. Allons-y. Et des rois à la clarté de tes rayons. Oui. Porte tes yeux alentour et regarde tous. Ils s'assemblent et viennent vers toi. J'entends ça. Donc voilà ce qui est en train d'arriver. Donc toute la portée, l'attraction de la terre sera Israël. En tout cas, les signes précurseurs, cela sont là. Continuons. Tes fils arrivent de écoutez, loin. Écoutez. Tes fils, donc les fils de ce pays-ci, arrivent de loin. Écoutez, regardez comment de la façon dont ils arrivent. Et tes filles sont portées sur les bras. Écoutez. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et le prophète dit au verset 8. Regardez le verset 8. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées? Hein? Comme des colombes vers leur colombier. Vous parlez de vision. Comment ils ont quitté en volant pour arriver dans leur nation? Pas l'avion. Vous avez vu l'oiseau porter quelqu'un? Non. Mais vous voyez qu'il parle effectivement du retour des Juifs et dit même qu'ils seront dans l'avion, dans ce passage. Donc, c'est à une époque où l'avion est sur la place. Mais la différence maintenant, c'est que dans leur mot, à leur temps, il n'y a pas d'avion. Donc, on peut appeler avion. La seule façon de faire et d'expliquer la vision qu'il a de voir, c'est de l'amener sur la forme de l'oiseau. Comme les colombiers qui volent dans l'heure pour entrer dans leur oiseau. Parce que l'avion est blanc. Il a vu l'avion blanc qui porte le peuple juif. Il s'en est volé pour aller dans le colombier. La seule comparaison qu'il peut avoir, c'est l'oiseau. Et il nous dit dans les Écritures, pour que les gens puissent lire dans la suite des temps, comprendre que les Juifs vont retourner dans leur pays à une période où il y aura l'avion. Vous voyez que si tu ne lis pas le langage de Dieu, tu ne verras nulle part qu'il y aura l'avion dans les Saintes Écritures. Mais pourtant, voilà ça là maintenant. N'est-ce pas, mes frères? Luc chapitre 24. Vous remarquez que si vous lisez la Bible, quelqu'un va vous dire par exemple que montre-moi boîte de nuit dans la Bible. Ou est-ce que c'est interdit qu'il parte en boîte de nuit? Je vous pose la question, frère. Les boîtes de nuit sont écrites dans la Bible? Non. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr vraiment que la voix... Pas littéralement. Ah, mais je n'ai pas demandé que est-ce que la voix de nuit est littéralement dans la Bible. D'accord? Parce que c'est littéralement, vous ne pouvez pas aller chercher. Est-ce que la cigarette est écrite dans la Bible? Oui. Est-ce que c'est écrit littéralement dans la Bible? Non. Donc, c'est écrit dans la Bible, mais à la manière de Dieu. Oui. Donc, maintenant, c'est arrêté. Non, ce n'est pas le problème que ce soit produit. Le problème, c'est que si ça, Dieu met à son langage pour que, même si dans votre époque, vous changez le pont, comment ça va se retrouver là-dedans. Parce qu'il est Dieu. S'il met cigarette, à un moment donné, vous changez le nom cigarette. Ça n'a plus de sens. C'est pour ça qu'il faut qu'ils mettent de telles enseignes que ça soit à l'époque bien précise, qu'on sache de quoi il est question. S'ils mettaient avion là-bas, et que vous voyez maintenant, vous dites plane,
Vous allez dire quoi? Mais que plaine, ça veut dire quoi? Alors, la colombe sera toujours la colombe, l'oiseau sera toujours l'oiseau. Ce qui vole comme l'oiseau, c'est ça dont il ce qui vole comme l'oiseau. Même si je chante n'importe quelle langue, ça vole comme l'oiseau, oui, c'est de lui dont on parle. Vous avez compris, n'est-ce pas? Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Je vous aime, je vous aime. Voilà. Dans ce Luc chapitre 24, il est question de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Après sa résurrection, il y a deux personnes qui vont comprendre que c'est grave à Jérusalem. Ils se rendent du fuit maintenant pour rentrer à Emmaüs. On va aller donc sur le chemin d'Emmaüs. Et quand on sera sur le chemin d'Emmaüs, on va commencer à lire la conversation de sur le chemin d'Emmaüs jusqu'à la fin. Allons-y. Et voici verset 13. Verset 13 du chapitre 24 de Luc. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Vous entendez ça? Donc les deux personnes, si c'est les personnes qui avaient marché avec Jésus-Christ physiquement. Ils sont allés marcher comme ça, aux environs de 16h, 17h. Ils sont allés marcher pour rentrer dans un chemin, dans un village appelé Emmaüs. Pendant qu'ils sont allés marcher, Jésus-Christ se rapproche. Jésus-Christ ne se rapproche pas. Vous ne pouvez pas marcher à deux en train de causer. Quelqu'un vient vers vous sans vous saluer, sans que vous le conversez, sans que vous le regardez. Vous ne marchez pas comme ça. Quelqu'un vient dire bonjour, bonjour, commencez. Vous regardez quand même. Pas vrai? La bienséance voudrait que vous saluez avant d'entrer dans votre conversation. On dit pendant qu'ils marchaient, qu'ils conversaient, Jésus-Christ vient au milieu d'eux et il fit avec eux. Mais la Bible déclare quoi faire? Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Dites-moi, ils ont porté les lunettes noires? Non. Ils avaient attaché le visage? Ils avaient porté le pain sur le visage? Qu'est-ce qui les empêchait de le faire? Qu'est-ce qui les empêchait? Dieu. C'est Dieu. Dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 4, la Bible déclare que tous les jours, quand on lit la loi de Moïse, un voile est jeté sur le cœur et empêché. Ce voile-là, ce n'est qu'en Christ que ça ôte. Donc, vous lisez la Bible, Moïse a dit telle chose. Et le voilà. La personne vient se tient là-bas que de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé afin que quiconque tout lève le regard soit sauvé. Moïse avait élevé le serpent pour signifier que Christ vient, on va le lever. Donc le lève à la croix, quand il est à la croix, il le voit, il dit ok, sauve-toi toi-même. Pourtant, il est élevé pour le sauver. Ça, vous comprenez? Amen. Cette personne s'est voilée. C'est pourquoi il va prier à la croix. Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont dans l'ignorance. Donc ils sont voilés. C'est pas ça que vous comprenez. Amen. Voici donc ce qui se passe. Donc Jésus les voile pour qu'ils ne le voient. Quel est son intérêt? Alors voilà ses disciples. Quel est son intérêt à aller vers ses disciples et les voiler pour qu'ils ne comprennent pas? Donc vous voyez que si Jésus ne veut pas se révéler à toi, même si tu cries n'importe quoi, pleure. Comme je veux faire, fais les dîmes comme tu veux faire ça, il ne viendra pas. Parce que c'est pas, on ne l'attire pas par les dîmes, on ne lui donne pas quelque chose pour qu'il vienne. Il décide selon sa volonté, il se manifeste. Alors, il fait route avec eux. Mais en faisant route avec eux, il se rassure qu'il les a voilés. Comment il les a voilés, on ne sait. Il n'est pas venu vous dire, pan, tendan, pff, pff. Non, n'est pas faire cela. Il voile à l'intérieur. Il a mis les choses à l'intérieur là-bas que c'est lui qui manipule à distance, même étant invisible. Alors, nous maintenant, nous sommes dans la maman en train de dormir là. Vous êtes vraiment fatigué, il faut qu'il vous laisse vraiment. Alors, les deux personnes sont en train de marcher. Subitement, quelqu'un vient en venant, il les a déjà voilés. Donc, ça veut dire que si la personne regarde la personne qui est à côté, il ne parvient pas à voir. Il y a des choses que je peux pas dire. Donc, avançons. Donc, maintenant, ils sont en train de cheminer, ils sont en train de marcher ensemble. Aïmaïos, suivons-le. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? Souvenons-nous, quand vous en êtes causé avec quelqu'un, quand il parle, regardez, quand il vous parle, vous voyez que automatiquement vous tournez pour me regarder. Donc pendant qu'ils en ont parlé, ils ouvrent les yeux pour regarder la personne. Il leur dit, je me pose moi-même la question, quand ils le regardaient, ils voyaient qui? Puisque c'est en pleine journée, ils sont des marchés. Quand je te parle, je peux aller se faire, ils me regardent. Je vais vous parler, vous me regardez. Et quand vous me regardez, ils se pourraient fixer vos yeux sur mon nez, sur ma bouche, sur ma taille, sur ceci. Donc, quand ils voyaient ça, ils voyaient quel personnage devant eux. Ça devait nous poser vraiment les questions. Donc, vous pouvez marcher en route, rencontrer Jésus sans savoir que c'est lui. Amen. Vous pouvez le voir là-bas avec la pouce, avec le pouce en train de tirer. Vous pouvez le voir avec une charge, traversant devant vous, dire la merci. On m'a dit si tu aides une main comme ça, va te jeter le serpent sur le corps. Et c'est Jésus que vous dites comme ça. Vous pouvez voir Jésus qui est en route là-bas avec le truc entre les mains. Grand frère, j'ai faim. Je dis que regarde, on a dit qu'on donne comme ça, là, l'argent de quelqu'un disparaît à la maison. Et c'est à Jésus que tu dis ça. Vous avez lu ça dans Matthieu chapitre 25, non frère? Amen. Vous n'avez jamais lu ça, hein? Si. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 25. Vous pouvez le rater là-dedans. Alors, ceux-ci marchent donc avec Jésus. Jésus fait comme s'il ne connaît pas. Il dit, mais vous allez même où comme ça, que votre visage est triste comme ça, vous êtes triste comme ça, vous marchez où? Suivant leur réponse. L'un de nommé. Gardez-vous à l'esprit que nous sommes de parler du Cameroun. C'est les Camerounais qui sont de vouloir répondre. C'est pour ça qu'ils prennent toute cette tenue. Sinon, ne perdez pas le fil.
Oui. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit. Oui. Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Il pose encore la question. Quoi? Leur dit-il. Il ne connaît pas ce qui se passe, frère. Il connaît. Mm-hmm. Et il lui répondit. Toute l'action de ce qui s'est passé ces jours-ci, c'est celui que ça s'est passé. Ouais. Mais il fait comme si il ne connaît pas. Mais vous là, vous partez au triste comme ça. Il me dit que toi, tu es le seul qui. Tu sors même. D'où? Tout ce qui s'est passé, c'est toi, tu n'es pas au courant. Il dit, mais quoi est? Il dit, ce qui est arrivé, continue frère. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Oui. Et c'est à lui qu'on a des adresses comme ça. Qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Oui. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Oui. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Donc ça veut dire que c'est quand ils ont vu sur la terre qu'ils devaient chasser Hérode, chasser les Pilates. Ils ont dit maintenant que le film est fini. Quand le film est fini, chacun rentre au village. Alors il dit que nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, oui. Voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est bien vrai. Hein? Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Oui. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus. Oui, voici l'une des choses que les femmes pasteurs disent. Que non, les premières personnes qui ont vu Jésus-Christ, c'est les femmes. Et puis ça fait quoi? Ça fait que tu sois. Quand tu vois Jésus-Christ, ça fait que tu sois enseignant. Non. Que ça fait que tu sois pasteur. Bah, nous continuons ici, on arrive. Et ont annoncé qu'il est vivant. Oui. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé la chose comme les femmes l'avaient dit. Mm-hmm. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Il raconte comme ça l'histoire de Jésus, la résurrection. La personne qui est ressuscitée à côté de ça, lui qui raconte comme ça. Il raconte même sa propre vie jusqu'à sa mort à la personne. Ça, ça va que c'est lui. Continue, frère. Alors Jésus leur dit. Ô homme sans intelligence, oui. Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Attendez, regardez. Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Continuons, frère. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Oui. Et commençant par Moïse. Stop. Il a commencé par quoi? Moïse. Moïse a 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Commençant par Moïse. Donc c'est ça, voilà les livres qu'on appelle Moïse. Donc on parle de Moïse, voilà les livres, les saints, la Pentateuque. Pentateuque, 5 livres. Penta, 5 livres. Donc les 5 livres, ça correspond au livre de Moïse. Donc, il dit commençant par là, parce que c'est le livre du commencement. Il a commencé depuis le début, oui. Commençant par Moïse, oui. Et par tous les prophètes. Par tous les prophètes. Souligner tous les prophètes. Donc, le monsieur de Jésus-ci ne devrait pas parler des prophètes à ces deux gens-ci sans que ces gens-ci n'aient été au préalable au courant de ces prophètes dont il est en train de parler. Amen. Donc il amène à la connaissance les prophètes qu'ils ont déjà écoutés. Maintenant, vous avez le livre des prophètes. Vous avez Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, Joël, Jérémie. Vous avez Osée, Michée, Amos, Agabus, enfin, comment il s'appelle, Habakkuk. Abdias, vous avez Zacharie, Jonas, vous avez Michel, vous avez Nahum, Sophonie, Zacharie, Agé, et le livre de la dîme. Le livre de la dîme, c'est Malachie. Pas le chapitre 3, Malachie. On dit pardon, pas tous les prophètes. N'est-ce pas? Amen. Continuons la lecture. Il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concerne. Stop. Donc, tout ce que nous avons cité, Moïse, les prophètes, il y a des choses qui concernent Jésus dans chacun de ces livres-là. Donc, quand vous ouvrez le livre d'Isaïe, attendez-vous qu'on parle de Jésus là-dedans. Malachie, n'allez pas au niveau des dîmes pour dire que non, ne venez pas payer les dîmes. On parle de lui là, dedans. Dans Agé, on parle de lui. En fait, il a dit dans toutes les écritures, il a expliqué tout ce qu'on dit les prophètes, tout ce qu'on dit les prophètes. Donc, les prophètes ont parlé de Jésus. En fait, quand il était sur la terre, il avait dit. Plusieurs prophètes ont prophétisé, ont voulu voir ce que vous voyez. Et dans l'une des pierres, la Bible déclare croire que les prophètes qui ont prophétisé à la grâce que vous étiez destinés ont fait de ce salut l'objet de leur investigation, de leur recherche, de leur investigation. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses-là.
Donc, c'est-à-dire que les prophètes ont parlé de cela et de l'après-Christ quand il serait sur la terre. Pas vrai? Amen. Okay. Vous allez voir la difficulté. Je suis en élève au niveau du Cameroun. Allons-y. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Je me demande bien maintenant si ces gens-ci savaient qui il était. Mais la suite nous dit clairement que c'est quand il s'est révélé que les gens ont compris que ce monsieur n'était pas simple. Parce que quand ils ont rentré, ils ont dit que quoi, notre cœur, quoi. Mais ils le pressaient en disant, reste avec nous car le soir approche. Oui. Le jour est sur son déclin. Oui. Et il entra pour rester avec eux. Écoutez maintenant. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Oui. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Donc, ça veut dire que depuis, il marchait avec les yeux fermés comme ça. N'est-ce pas? Non. N'est-ce pas, mes frères? Donc, il marchait comme ça. Es-tu le seul qui sait que ce jeune à Jérusalem ne sait pas ce qui est arrivé? Quoi donc? Jésus. Ce qui est arrivé à Jésus-Christ de Nazareth, qui était un prophète puissant et devant les hommes et devant Dieu. Comment nos magistrats l'ont livré pour être crucifié? Avec, voilà cela, ça fait 3 jours maintenant. Donc, c'est avec les yeux fermés qu'il faisait. C'est ça, mes chers? Non. Vous pouvez lire la Bible, lire ça en français, décortiquer le français sans rien comprendre ce qu'on a dit là-dedans. La preuve en est que les littéraires lisent cette Bible-ci, déposent ça, vont dans les sectes. Vous allez dans la secte, en frère franc-maçon, on a déposé la Bible là-devant. Chez les francs-maçons, on met le Coran là-bas, on met la Bible, c'est ouvert là-bas. Ils lisent. Le Christ a parlé de l'amour. Ils lisent dans la Bible là. La Bible a interdit de servir Satan. Ils sont en l'intérieur, en plein Satan, en train de servir. Vous allez chez le marabout dans le tabernacle, il y a un livre là-bas, il conseille de lire. Lis le psaume, hein. Il dit oui, oui, Père. Si tu récites le Notre Père, oui. Il a les chapelets là-bas. Il sait le démon. Donc, l'écriture que vous avez devant vous là, si le Saint-Esprit ne vient pas avec vous pour les prendre et les appliquer sur votre cœur, vous allez les lire. Un jour, vous allez déchirer pour attacher les beignets avec. Continuons, frère. Leur esprit s'ouvrit. Et leurs yeux s'ouvrirent. Oui. Et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Vous avez vu? Voici des gens qui fuyaient Jérusalem. De Jérusalem pour aller à Emmaüs. Ils fuyaient comme ça les persécutions parce que, comme Jésus disait que le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, voilà le royaume de Dieu, ils ont entendu que le royaume de Dieu n'est pas venu. Les gens sont rentrés au village. Retour au village. Maintenant, nous allons voir que cet événement-ci va créer une autre chose en vous. Allons-y, suivant. Et ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Oui. Lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Donc, c'est là qu'ils ont compris la personne qui était là. Parce que c'est pas normal. La façon qu'il parlait, l'Écriture entre dans eux là. Il mince. C'est là qu'ils ont compris ce que le cœur faisait. Parce que c'est pas quelqu'un de normal qui leur parlait ces choses-là. Et il les a alignés les Écritures par la part de Moïse, des psaumes, des prophètes, ainsi de suite, pour leur montrer clairement ce qui le concernait dans les saintes Écritures. Continuons, frère. Se levant à l'heure même, ils retournaient à Jérusalem. Donc, tu vois que ça a déprogrammé leur programme. Comme ils sont rentrés à Emmaüs, c'est comme ça qu'ils sont retournés encore à Jérusalem. Maintenant, continuons. Et ils trouvaient les 11. Oui. Et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, oui. Le Seigneur est réellement ressuscité. Oui. Il a apparu à Simon. Oui. Et ils racontaient ce qui leur était arrivé en chemin. Donc, ils couraient comme ça pour venir dire aux gens que vrai, nous avons vu le ressuscité. En allant là-bas, on leur a aussi informé que vrai, il est ressuscité. Il est apparu à Simon. Ça, maintenant, eux, ils ont aussi dit, maintenant, ok, ils nous ont aussi apparu en chemin. Ils vont raconter l'histoire, oui. Et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Pendant qu'ils sont en train de parler comme ça. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit. Oui, la paix soit avec vous. Alléluia. Amen. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Continuons. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Vous avez entendu, non? Mais s'il est apparu, c'est les esprits qui apparaissent, nos frères. Il dit, la porte est fermée, quelqu'un apparaît là-dedans. C'est pas normal que tu crois que c'est un esprit. C'est normal. Après, il va s'asseoir là-bas, le même esprit qui apparaît, disparaît, passe dans le mur, il s'assoit là, il coupe le pain, il mange. Les esprits mangent, frère. Non. Continuons ici, il nous embrouille. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os comme vous le voyez que j'ai. Donc ça dit que quand Jésus-Christ ressuscité est des chairs. Mais quand il y a des chairs qui traversent le mur, frère. Hein, frère? Donc tu vois que c'est lui-même qui nous crée les problèmes comme ça, non? Le frère aime trop supporter Jésus. Quand il dit que c'est lui qui nous crée les problèmes, il dit que non. Il ne veut pas être en problème avec Jésus. Comment quelqu'un a une chair qui traverse le mur? Toi tu peux traverser le mur, frère. Ah, tout naturellement, moi-même. Mais lui, il est divinement Dieu. Donc, c'est lui qui peut traverser le mur. Comme moi, je ne peux pas. Il peut pas traverser. En tout temps, avec le même corps, il mange. Il mange. Il peut tout faire puisque c'est lui qui a le monopole de tout. Mais tu sais qu'il a dit que bientôt, toi, tu vas traverser le mur, non? Il a dit quoi? Tu vas traverser sur le mur. C'est lui, le ciel, pourquoi entrer et le mur du ciel, place? Le mur du ciel, hein? Ouais. Mais il a dit que comme il avait ce corps glorieux, que là, tu auras ce corps-là, non?
Oui, mais c'est le moment viendra puisque je. Non, je n'ai pas dit que tu as ça maintenant. Il a dit que tu auras ça. Donc tu pourrais passer par le mur, quoi. Aller partout. Aller partout. Continue ici, frère. Verset 40. Et disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Oui. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore qu'il était dans l'étonnement. Oui. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Pour leur prouver que ce n'est pas un esprit qui sont de voir, c'est vraiment palpable, oui. Ils lui présentaient du poisson rôti et un rayon de miel. Le gars était là comme ça, en train de la prédication, ça, ils avaient les poissons brisés à côté, quoi. Continue. Il en prit et il mangea devant eux, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça s'accomplisse. Écoutez. Ce qui est écrit. Écoutez. De moi dans la loi de Moïse. Un. Dans les prophètes. Deux. Et dans les psaumes. La loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Les psaumes. Il y a les psaumes que c'est Salomon qui a écrit. Les psaumes que c'est David qui a écrit. Les psaumes que c'est le fils de Corée qui a écrit. Les psaumes que c'est Jidetum qui a écrit. Les psaumes que c'est le fils d'Asaph qui a écrit. Et les psaumes que ce soit, c'est qui a écrit. Alors, dans ces psaumes-là, se trouvent des choses qui sont dites de Jésus. Des choses qui devraient s'accomplir. Donc, on peut lire sans comprendre. Maintenant, écoutez. Ainsi, il a dit. Et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Oui. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Voilà. Nous avons deux situations ici. Dans Actes chapitre 8, l'ennemi éthiopien rentrera de Jérusalem pour rentrer en Éthiopie. Le ministre de Candace sera sur son chariot en train de lire. Il lit Esaïe. C'est un homme instruit. Donc, il lit. En la langue, il peut prononcer la lecture, il peut voir les mots, sachant que T-A c'est ta. T-O c'est to. Il lit, il prononce. Mais la compréhension de T-A, T-O, c'est autre chose. Tout à l'heure, nous allons lire Esaïe chapitre 60, verset 8. Qui sont ceux-là qui rentrent dans le Colombier comme le Colombe, pas vrai? Vous allez lire la colombe dans le Colombier. Mais on parle de l'avion. Mais vous avez lu littéralement colombe dans le Colombier. On parle de l'avion qui part des gens pour entrer en Israël. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Voilà. Donc, lecture, oui, compréhension de Dieu, il faut l'esprit. Amen. Alors maintenant, Philippe s'approche de char. Dans le livre d'Actes Apôtres, chapitre 8, là, l'esprit lui dit approche de char. L'esprit lui dit approche. Sans lui dire ce qui va se passer là-bas. Sans lui dire que prépare la prédication. Que prépare les trois doctrines, les quatre lois spirituelles. Non. Approche de char. C'est le mot là-bas, approche de char. Quand il approche, la Bible déclare le passage de l'écriture où le nuque lisait était ce passage. Il a été mené comme le brebis dans le trou. Esaïe 53 que vous connaissez. En le lisant, la prédication a commencé par est-ce que tu comprends ce que tu lis? Bah, c'est un homme instruit. Souvenez-vous, le rang des ministres. Il était ministre des Finances. Regardez-vous, ministre des Finances maintenant. Quelqu'un à qui on a confié le poste de ministre des Finances, il doit devoir lire. Ça va manipuler les mots et les chiffres. Alors, il dit comment il puisse comprendre s'il y a personne qui m'explique. La Bible n'est pas un livre ordinaire. Vous pouvez tous avoir la Bible, mais avoir la sainte qui se trouve à l'intérieur cachée, il révèle là de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir venir avec toi pour cela. Voilà la preuve là-bas. Il lisait la loi de Moïse, non? Il lisait les prophètes, non? Les psaumes. Il a fallu que Christ ouvre l'esprit, l'intelligence pour qu'il comprenne ce que ça dit. Donc vous voyez effectivement que ça aller dans une école de théologie pour avoir la compréhension biblique, ça ne sert à rien. Essayer d'invoquer l'herméneutique de l'interprétation biblique correcte, ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas une école d'interprétation biblique. Parce que s'il y avait une école des juifs pour pouvoir bien comprendre, non, il faut que j'apprends la langue hébraïque pour bien comprendre. Quand il parlait physiquement, il parlait en quelle langue? Quand il était sur la place là-bas, il parlait en quelle langue? C'est pas en hébreu. Il comprenait ce qu'il disait. Non. Donc ce n'est pas le fait qu'il comprenne la langue hébraïque qui est le problème. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Quand eux lisaient la loi de Moïse, c'était pas écrit, la Torah n'était pas écrite en hébreu. D'où vient-il que quelqu'un lit la Torah? Il refuse qu'il n'y a pas des anges, il n'y a pas de résurrection des morts. Lui, il lisait ça pas comment? Dans le dernier chapitre 12, il est dit là-bas que lorsque, à la fin du jour, les gens vont se réveiller, d'autres pour le propre éternel, d'autres pour la vie éternelle, non? Quand il lisait en hébreu, il lisait quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ça peut être écrit, vous lisez, vous ne comprenez pas. Alors ici, la Bible déclare, il ouvre l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Sans ouverture de notre intelligence, vous allez lire l'Écriture, ça va rester lettre morte. Continuons, frère. Verset 46. Ainsi. Et il leur dit. Écoutez. Ainsi, il est écrit. Oui. Écoutez, doucement. Parce que là, on va toucher au Cameroun. J'ai souvent dit que le Cameroun se trouve dans ce verset. Ils sont aidés pour retrouver le Cameroun. Ainsi. Ainsi, il est écrit. Oui. Que le Christ souffrirait. Un. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Deux.
et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom dans toutes les nations. En toutes les nations. 4. À commencer par Jérusalem. 5. 5 choses sont dites par le Seigneur Jésus à ses disciples que c'est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ces 5 choses-là. N'est-ce pas, frère? Je vous laisse le soin maintenant d'aller dans cette loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, pour montrer où c'est écrit comme ça que le Christ souffrirait et que ressuscité de mort le troisième jour, la repentance du péché sera prêchée en ce nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Où est-ce que c'est écrit? Parce qu'il a dit, après avoir ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent, il a dit ainsi, il est écrit ceci. D'accord, frère? Quand tu vas retrouver cela, tu pourras facilement trouver le Cameroun. C'est là où je voulais en venir. Tu as vu? Parce que là, le Christ le dit, quand vous lisez le loi de Moïse, les prophètes et les écrits et psaumes, sachez que c'est écrit que. Il est ainsi, il est écrit que. C'est pas ça, hein, frère? Or, vous avez la loi de Moïse aujourd'hui. Vous avez effectivement les prophètes, vous avez les psaumes. Ça n'a pas changé, c'est la même chose depuis aujourd'hui. Alors non, vous connaissez maintenant comment Christ est mort, comment il est ressuscité des morts, comment la repentance a commencé. Allez donc dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien, voir comment c'était prévu. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez, vous attendez à voir ça littéralement, vous n'y trouverez pas. C'est codé avec les manières de Dieu de parler, là-dedans. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je peux vous guider pour montrer dans quel livre on parle de lui, de Cameroun là-dedans. D'accord? Bon, je te redis la tâche. Parce que ça te donne une chance de 66. Ça donne le livre du prophète Isaïe. D'accord? J'étais beaucoup aidé, n'est-ce pas, frère? Là, maintenant, il y a encore 66 versets à 66 chapitres à lire. Au moins, c'est facile, pas vrai? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, je vais vous laisser maintenant. Bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain. Plaise au Seigneur, d'accord? Amen. Voilà. Bon. Oui, mon frère. Vas-y alors. J'ai compris. Pour ce qui concerne du Cameroun, oui. Il y a une des prophéties de Jésus qui s'accomplit ici à Yaoundé. Oui. Quand Marie est apparue là. Est-ce que là c'est pas une indication? Que quoi? Hein, tu as te mets sous doigt pour qu'il te donne là où non, ça se trouve. Je ne te soudois pas. Est-ce que quand Jésus dit qu'on vous dira qu'il est dans les chambres, n'y allez pas, pourquoi c'est arrivé chez nous? Mais avant qu'il ne dise qu'on nous dise ça, que c'est arrivé là-bas, j'avais déjà dit ça dans la prédication que Dieu parle du Cameroun. Donc c'est hormis cette chose des catholiques là, d'accord? Amen. Ça n'a rien à voir avec cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous souhaitons bien, cher. Oui, on a fini maintenant, vraiment, garçon. Le Seigneur vous bénisse. Il faut que vous laissez vous déposer comme ça. Demain, on se rencontre encore. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur te bénisse beaucoup. Le Seigneur vous bénisse. Amen, ministre. Amen, amen. À vous, le temps. Le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Voilà. Normalement, je dois partir parce qu'en réalité, on m'attend quelque part pour prêcher encore. Donc on se voit demain, plaise au Seigneur. Amen. Dans la paix. Amen.